D'ici 2 ou 3 ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que statisticien. Bonsoir. Vous l'attendiez toutes et tous impatiemment. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sondage Podcast du Soir. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu au sondage que j'ai proposé ces dernières semaines, notamment celui où j'avais demandé de comparer 20 000 et 1 million. Voici les réponses. 36% disent que 20 000 est plus petit qu'un million, 5% que 20 000 est plus grand qu'un million, et 11% que 20 000 égale 1 million. Je vous rassure, le but de ce sondage n'était pas d'évaluer votre niveau de mathématiques. Une blague de mon métier dit d'ailleurs « Je suis très mauvais mathématicien. » Mais c'est normal, je suis statisticien. Tout bon statisticien sait que son rôle, c'est de déduire. Ce soir, je peux notamment déduire que 5% d'entre vous travaillent pour les Netflix du podcast et qu'ils se sont vraisemblablement infiltrés parmi mes followers pour surveiller ces propos de ma timeline qui dérange. Avant de me prendre pour un fou, je vous propose de prendre connaissance de ce second document que j'ai en ma possession. La jeune plateforme Netflix du podcast revendique actuellement 20 000 abonnés payants, dont 1 million d'utilisateurs. Vous déduirez, de la même manière que moi, que les 5% de personnes qui ont répondu que 20 000 était plus grand qu'un million sont les mêmes qui clament haut et fort avoir 20 000 abonnés payants, dont 1 million d'utilisateurs. Celles-là tenteront de se justifier en disant qu'en fait, ils n'ont jamais compris dans quel sens on devait placer le symbole plus grand ou plus petit, même en faisant le truc avec la main, là. Mais nous prendrons bien garde à ne pas nous laisser convaincre par ce discours d'agent double. La vérité est bien plus simple. Mes propos dérangent. Voilà tout. Sur ce, rappelons qu'en suivant cette logique et en appliquant le procédé du produit en croix, les attentes de 150 000 abonnés impliquent que ce soit 150 000 abonnés payants, dont 7 500 000 utilisateurs, ce qui fait quand même beaucoup. Quant à celles et ceux d'entre vous qui ont répondu impunément que 20 000 égalait 1 million, je vous enjoins à me verser la plus petite des deux sommes sur la page Tipeee de l'émission. À tous les autres, je souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sondage Podcast du Soir. Bonsoir.